reste valide tous les masques dont le pouvoir filtrant est supérieur à 90%. Comme ce n'est pas marqué sur le masque, je vais donner l'indication aux Français. La plupart, la quasi-totalité des masques industriels grand public ont des capacités filtrantes supérieures à 90%. C'est ce qu'on appelle les masques grand public de niveau 1. En revanche, le masque artisanal qu'on fabrique chez soi avec la meilleure intention du monde, en respectant les normes AFNOR, pour le Haut Conseil de Santé publique, n'offre pas nécessairement toutes les garanties nécessaires. Si on maintient une distance de sécurité en général avec les autres personnes, honnêtement, je pense que le masque chirurgical n'est pas complètement nécessaire. Moi, je suis hyper partisane du masque en tissu parce qu'on ne va pas le retrouver par terre et que je pense que si on fait attention, qu'on le lave régulièrement et qu'on ne se colle pas aux autres personnes, il fait quand même le job. Hein. À nouveau les scientifiques et le Haut Conseil de Santé publique, c'est que si deux personnes portent un masque filtrant à 90%, l'efficacité est la même que si une personne portait un masque FFP2 et l'autre un masque classique. Donc à ce stade, nous ne changeons pas les recommandations, mais si les scientifiques devaient les faire évoluer, évidemment nous suivrions. Si on nous donne la preuve que le masque en tissu est moins protecteur, donc j'arrêterai. Je prendrai que les masques chirurgicaux. Thank you.